Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live, donc aujourd'hui qui est très attendu avec cette FL Sun Super Racer SR. Donc j'espère que c'est bon pour le son, du coup je vais devoir vérifier à chaque fois si c'est bon pour vous. Côté YouTube surtout, je crois que ça déconne. Si vous pouvez me dire c'est bon après, ce sera good. Salut Gigi Soft, salut Crazy Sape, salut Justicier. Bonjour et au revoir à Gigi Soft. Hâte de voir le replay. Salut le silencieux. Alors on va bientôt démarrer. Je n'ai pas sorti les embouts pour le montage. Je pense qu'on en aura besoin. J'ai pas fait de place comme d'hab. Donc je pense qu'on en aura vraiment besoin. Je vais pousser allègrement tous les trucs sur le côté. Hop. On va garder tout ça. Ça, on va garder sous le coude. Hop. Ça, j'en aurai besoin. Ça, je vais laisser ça de côté. Bon, je fais mon rangement sur le temps que les gens arrivent. Ah, largement bon. Normalement, c'est bon. Je pense. Le son est good, me dit Justicier. Bon, bah, ça va alors. Salut, Hepatus. Salut, Christ. Can. Olivier, Arnaud, Incrésissable, la visseuse. La visseuse, la visseuse. Non. Non, pas la visseuse. En fait, sincèrement, pour les montages, je préfère serrer vraiment doser. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est sur les visseuses là, encore sur les petites de ce style-là, cette forme-là. Celle-là, on peut doser. Bon, je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc celle-là, on peut doser la vitesse et on va dire le couple max de serrage. Mais sur les petites qu'on a testées, comme celle qui est là, juste là, comme celle de Xiaomi, là. Avis un peu mitigé. Est-ce qu'on est bon pour le reste? Je vais regarder vite fait pour qu'on puisse avoir cette vue-ci, pour que vous puissiez regarder ce qu'il y a dedans. Alors le carton est très très long. Bon, je pense que vous voyez sur l'image du bas que il est très long. Donc il fait plus que le support, donc il fait au moins 90 de long, je crois, un truc comme ça. Donc on va pouvoir démarrer direct. Et bim. Hop. Alors comme d'hab, quand je déballe, je vois pas trop vos commentaires. Alors je sais pas où je suis là, ok. Donc on a de la doc, mais on a de la doc en allemand, donc bah moi ça va pas trop m'aider. Hein. Donc ça va pas trop m'aider, bon. Manifestement c'était pas la doc de montage, donc j'espère qu'il y en aura une autre qui sera dedans. Alors on a tout qui est emballé dans un sachet, c'est ça? Tout est dans un sachet. On va peut-être juste l'ouvrir, hein. Pas trop s'emmerder quand même. Je pense qu'ils ont tout mis dans un sachet et ils ont tout enfilé comme un sac poubelle là et puis ils ont dû refermer. Mais je vais pas trop m'embêter, je suis pas trop. Pas trop envie.
Bon, je vais juste découper le sachet. Voilà. Oh, beau. Beau support en alu. Magnifique. C'est sympa. Ah, donc on a un vrai manuel. Update content. Alors ce document sert de supplément au manuel. Ok, donc on a tout le câblage pour la carte mère. Bon, ça c'est plutôt cool. Donc si on a besoin de changer, rajouter des choses, ben, on peut. Surtout que du coup, on voit que c'est des drivers qu'on peut retirer et modifier si jamais on a envie. Et qu'on a du coup deux extrudeurs possibles, j'ai l'impression. D'avoir le double Z en haut là. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ah, si vous voyez. Double Z en haut et potentiellement double extrudeur. Après, il n'y en a qu'un pour le moment. Manifestement, c'est pas trop gênant. Donc, on a la doc. Regardez vite fait qu'est-ce qu'on a dedans. Donc, ça, c'est les différentes pièces. Ça, c'est ce qu'on a dans le carton. Est-ce que j'ai pas sauté une page? Si. Donc, en gros, on va. Ce que vous voyez à peu près. On va faire le tour vite fait de la doc et après je regarderai ce que vous me mettez. Alors du coup on a la base, on va installer. Je sais pas, il y a un. Ah, il y a des moteurs qui sont manifestement dans les montants. Donc on va tout simplement glisser. Ensuite on va installer le haut. Pousser vers le bas, visser. Ensuite, on a un truc de réglage qui se tourne, je sais pas trop ce que c'est. On a des ressorts qui s'installent entre les tiges pour le hot-end. Alors, je sais pas. Je vois pas très bien, mais j'ai l'impression que le hot-end n'est pas présent et qu'il est rajouté après. On fait tout le câblage. Un détecteur de fin de filament. Extension câble de l'extrudeur. Enfin, attention, attends, installation pardon, de l'extension. Après, support de bobine. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, après, on est sur l'utilisation avec du coup la configuration du bloc d'alim. 220. Ok, ben c'est cool. Hop. Alors du coup, je vais vous remettre un peu plus grand et de toute beauté. Petite question sur la SR, ta buse ne racle pas en infill sur la SR. Ben, je sais pas, faut autant la monter. Alors, je pensais que tu l'avais déjà. Ah non, 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 je la monter, ok. Donc tu as remis si t'as un bijou. Salut Fabien, la vitesse est bluffante, tes impressions en 0.1 sur ultra propre, tu verras. Bah ouais, on testera ça. Peut-être pas ce soir, mais on testera en tout cas. Je viens juste d'avoir une notification, donc ce n'est pas ma faute pour le retard. Magnifique. Alors est-ce que je vous ai suffisamment ouvert? Ouais, je pense. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le support pour la bobine. Ça, mettre de côté. On a manifestement toute la visserie, pince coupante. On a bloc de chauffe et buse de remplacement avec même le petit tube qui va dans le radiateur. Toute la visserie. Petite spatule. Elle est pas biseautée au bout. Ok. Bon, elle est juste plate. Ouais, c'est pas foufou, mais bon. Ok, bon, ouais, spatule. Les tiges pour le hot end. Alors, je sais pas si elles sont vraiment en carbone, mais il y a un truc simili-carbone en tout cas dessus. Certainement qu'esthétique, je sais pas. Je sais pas. Ah non, non. Ok, donc ça on a les tiges pour notre hot-end. Je vais pousser la doc. Alors, je vais sortir. Ah, attends, je vais sortir ça déjà. Donc on a quoi? On a câble d'alim, câble USB pour la connecter au PC. Et donc pour les montants,
Gagner mon temps. Donc on a quelque chose qui est vraiment costaud. Ah bah tout est déjà installé et tout, voilà. C'est propre. On a tout, ouais, qui est vraiment déjà installé à l'intérieur. On a même le système pour serrer les courroies qui est plutôt bien fait. Les courroies sont larges, hein. Les courroies sont assez larges. Stylé, stylé. Alors du coup, je vais peut-être poser ça à côté en attendant. Voilà. Alors on va essayer de rien oublier. Un peu plus mal. On va sortir le deuxième, qui est costaud aussi. Donc qui est comme le premier. Alors il y a même un truc anti-vibration en liège, manifestement, entre le moteur et le montant. Et le troisième. Voilà. Et le troisième montant. Ok. Ok, alors je pense que c'est les petits bouts de papier en dessous là. Attends, je vais ouvrir un peu sur le côté. Mais ça va être relou. On va sortir le deuxième étage. Alors je sais pas ce que c'est, les petits bouts de papier qu'ils ont collés là. C'est pour protéger un truc, je vois. Tu vois, c'est un peu chelou ce bout de papier. Alors, ensuite, on a. Oula, il y a un portant qui se barre. Ok. Ensuite, vous voyez toujours. Donc, on a là, manifestement la base. On a le hot end, donc qui n'est pas fixé. Hein. On a les tiges, de toute façon, on l'a vu. Hein. C'est moins préassemblé que sur la QS Pro pour cette partie-là, en tout cas. Après, c'est pas le cas pour les courroies, donc c'est plutôt cool. On a le hot end, double refroidissement, bus type Volcano, E3 DV6. Alors on a un radiateur que en 10 mm d'épaisseur du coup, ce qui est plus faible que la QQS Pro qui a un 20 mm. Ok. Alors on a quoi là? Une bobine, c'est ça? Alors on a du papier de verre, c'est ça? Pourquoi on a du papier de verre? Ok. On a une petite bobine qui doit faire, je sais pas, dans 250 grammes, je pense. Peut-être un peu moins. De blanc. On a tube PTFE pour l'extrudeur, manifestement. Un petit pinceau pour nettoyer. Rechange pour la résistance de chauffe. Voilà, manifestement. Alors, je sais pas, il y a une espèce de chiffon. Peut-être pour nettoyer le bed. Ok. Alors, on va sortir peut-être l'écran déjà. Et ensuite la base. Un peu chiant à attraper la base. Parce qu'il y a rien de profond en plus. Ok. Ok. Attends, c'était la base ou c'est le haut? Ah non, c'est le haut, pardon. C'est la partie haute. Ensuite, de l'autre côté, on a tout le montant avec extrudeur. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Avec extrudeur, coupleur full métal, détecteur de fin de filament. C'est propre. C'est très propre. Ensuite, on a le système de mise à niveau du bed. Le même que celui sur la. C'est quoi ça? Non, c'est un peu différent, tiens. Ah, on va sûrement monter l'aimant, en fait. Non, c'est bon, c'est bizarre. On n'a pas de pareil. Par contre, ce système-là est vraiment le même que sur la QQS Pro. Donc, le système de mise à niveau qui vient s'aimanter sur le hot-end. On va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le câble qui va relier le FM au haut. Alors là, on va sortir la base du coup. On va sortir la base.
base qui est assez massive. Hein. Il tombe bien en même temps, du coup, ce sera plus stable. On n'a rien oublié là, on n'a rien oublié là, et je pense qu'on est au bout. Je vais checker, mais pour moi, on est effectivement au bout du truc. Alors, je vais peut-être virer le vieux plastique dégueulasse, pas du tout. Il est tout trouvé maintenant. Hop, je vais jeter ça là-bas. Je vais remettre ça dedans. Voilà. Ok. Alors, en attendant, je vais vous remettre le vide en face. Voilà. Je vais remettre la base ici. Alors, c'est l'aimant pour l'écran. Ah, effectivement, oui, ça doit être l'aimant pour l'écran. Tu as raison. Ça doit être ça. Ouais, ouais, t'as raison, c'est la même forme. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont mis avec l'autre, parce que c'était deux aimants, peut-être. Pour éviter de tout parasiter. Alors, est-ce que vous m'avez mis quelque chose? Non, rien de spécial. Ok, bon. La doc. Les docks, ils se sont fait plaisir, ils ont fait un petite surface soft touch là. Alors, on va commencer par. Ah non, en fait, on monte pas le bas en premier, on monte le haut, pardon. On commence par le haut en fait. Les moteurs sont dans le haut. Ok. Alors, du coup, ils le mettent dans quel sens? Ils mettent le FLSOM devant. Donc, du coup, je vais pouvoir vous rechanger. Je descends. Voilà. On va pas être trop mal. Donc, du coup, on met du coup les montants dedans. Par contre, je vais préparer tout de suite les vis. Comme ça, on n'aura pas à chercher. C'est assez propre quand même. Alors du coup, ils disent des vis M4 en 22 de long. Alors, ça pourrait bien être ça. Je sais pas si j'ai ma réglette là. Non, je suis pas sûr de l'avoir. Semblait l'avoir vu il n'y a pas longtemps. Un peu comme tout ici, quoi. Donc, je vois la réglette pas loin, mais je ne sais pas. Bon, on va dire que c'était du 22. Globalement, il n'y a pas 50 longueurs, j'ai l'impression de vis. Je vais tout sortir. Ouais, il n'y a pas 50 de longueur, il y en a deux. Soit tout petit, soit très grand, donc le choix il va être vite vu. Ok, donc du coup on a ça, je vais sortir le tournevis, ça doit être celui-ci, c'est ça. On pourra visser ça au fur et à mesure. Et donc on va commencer par installer un des montants. Alors ils disent de le... De faire un qui est vraiment accessible pour commencer. Alors on va le raccorder directement. Ah attendez, il y a des numéros sur les des étiquettes. Donc là on est sur le X et là en fait on a le Y. Donc je vais peut-être prendre le Y comme il est en face. Voilà. Là, j'avais pas vu en déballant. Donc on a le Y. Heureusement qu'ils ont mis l'étiquette juste sur le port, c'est pas mal. C'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. Ça a l'air costaud. Hein. Ça a l'air sacrément costaud. Mmh.
cliquer dedans ou pas? Non, mon embout il est trop petit. Bon, je vais pas pouvoir utiliser mon tournevis alors. Ça tient là? Ouais, ça tient. Ok. L'embout est trop court, sinon il faudrait que je prenne celui-ci éventuellement. Ouais. Prends celui-là. T'es ramené. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. Là, je crois que ça va être parti. Visserie. On a 4 vis à mettre sur chaque. Par contre, les vis sont un peu loin dans le profilé. C'est un peu plus chiant à aller la mettre dedans. On a l'impression qu'elle va tomber en fait. Quand on le fait. Je vous montrerai sur le montant qui est devant vous. Alors moi, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, parce que c'est vraiment profond en fait, les vis. Voilà. Bah, du coup, je pense que le montage risque. Enfin, risque. Tant mieux, hein. Devrait être relativement rapide. Et après, c'est pour mettre les vis, c'est un peu pénible. Ils n'ont pas droit du tout. Et le trou est assez loin à l'intérieur. Là, faut bien se plaindre un peu, hein, sinon là, ils vont se reposer sur leur laurier. Alors, je vais faire celui qui est en face de vous, du coup. Je vais zoomer un peu. Alors, du coup, là, pour le coup, on a le X. Alors, je vais descendre et je vais rapprocher. Voilà. Donc vous allez peut-être mieux comprendre de quoi je parle. Donc là, on est parti sur le X. Donc on a l'étiquette. On a le câble. Il est plus court le câble. Nettement plus court. Non. Attendez. Voilà. Ensuite, on enfile le tout et le but c'est de glisser donc les vis là-dedans et de faire en sorte qu'elle arrive relativement droit en face. Alors heureusement, quand le montant est posé bien droit, ça a l'air d'aller en face. Mais la vis doit aller relativement loin, il faut le viser pour espérer. Voilà, donc, vous voyez, en fait elle est déjà partie bien dedans là. Et je crois que ça visse. Ouais, ça va, ça visse. En plus, il faut la visser vachement longtemps, du coup. Voilà. On n'est pas sûr de l'avoir bien emmené à chaque fois. Et du coup, on va faire les quatre comme ça. Par contre, il y a la vis qui se fout vers le haut. Voilà. Salut Sébastien. Alors, Olivier qui me dit salut, ton avis, le mieux c'est de la commander où? Alors, si vous attendez un petit peu, parce que du coup, en fait, il m'avait un peu. Comment dire? Je sais pas comment dire. Sur. Pour info sur TomTop, il devait m'envoyer un code, voilà, pour l'avoir, et enfin, en fait ils m'ont donné le prix, mais ils m'ont pas donné le code. Donc du coup, il faudrait que je leur demande lundi qu'ils m'envoient le code, et du coup ça pourrait vous la faire à, de mémoire c'était 385, livré depuis... c'est l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Alors du coup, on a le Z. Voilà. Bah, j'ai mis le lien, je crois, pour
AliExpress, mais je sais plus à combien elle était affichée. Je ne sais plus du tout. Par contre, le fil, ils sont de plus en plus courts. Le Z, il est ultra court. Attends, je vais me décaler. Après, il est accroché avec du scotch isolant, mais bon, autant que je le laisse relativement court, ça évitera qu'il se balade, c'est pas plus mal. Voilà. Pas pour le petit truc qui manque. Voilà. Non. Du coup, s'il y en a un qui a moyen de regarder, parce que je sais plus, parce que tu dis sur Ali, mais je sais plus à combien il était affiché. Même 450 le 11 novembre. Ok. Bah là, ouais, je vous dis, il m'avait donné le prix 385. Avec le code qu'ils doivent me donner normalement. Après, toujours à confirmer, on sait jamais. Mais... moi, j'ai monté la mienne mercredi. Ok, ok. Reçu en 5 jours. Alors, questionnons-nous bien l'intérêt d'avoir une Ender et une EFL Sun. C'est quoi l'avantage des Delta? Le Delta, c'est surtout. Après, ça dépend des imprimantes, mais on peut dire globalement la vitesse, mais surtout la qualité. Vu que le plateau ne bouge pas, je trouve que tu gagnes beaucoup en qualité. La moins chère, c'est Tom Top. Mais du coup, sur AliExpress, c'était combien? J'ai plus ça en tête. On a fait tous les trous là. Voilà, on a tout fait. Hein. Alors, attendez. Vérifie quand même. Je vais peut-être remettre un petit coup de tournevis pour resserrer tout le machin. Il n'est pas bien vissé ou c'est à côté? Hop, tournevis. Je passe ma grosse tête. Ah bah non, il n'y a pas de vis. Pour ça, je me disais que ça allait relativement loin. Effectivement, il manque celle-ci. Sur Ali, elle a plus de 500. Ah ouais? C'est AliExpress, ils doivent prendre trop de frais sûrement. Du coup, ils sont obligés de monter leur tarif. Hop. Ok, on va faire le dernier. Récupérer l'écran, hop, là. Bon, vous voyez pas grand chose, mais de toute façon, je vérifie juste au serrage. Après, on va pouvoir passer à la suite. Il va falloir qu'on installe du coup la base par le haut. Donc pour ça, je vais peut-être changer de vue. Ce sera plus parlant. Et du coup, on m'en va déjà vachement haut. Alors là, on a l'imprimante qui est à l'envers. Et on va mettre donc la base. La base, ils disent installer bottom shell. Ouais, donc installer la base. Les deux logos doivent être du même côté. Ok, entre le bed et le portant en haut. Alors. Ils doivent installer le guide rail. Installer le guide rail, ok. Donc ça doit être ouais, l'espèce d'une petite forme en fait qui dépasse pour rentrer dans le montant. Et après tout ça, on va le visser. Alors j'espère que ça tient tout seul. Et après, ah oui, après ils installent du coup. Attends, ils l'installent avant ou après? Non, après ils installent l'aimant pour l'écran. Alors du coup, ils disaient FLSON dans le même ordre, dans le même sens. Donc ça doit être comme ceci. Ouais, bon, ça tient pas grand chose. Il est temps de mettre une vis ou deux. Alors je vais afficher juste le bloc d'alim au passage qui est juste là. Donc on est bien en 230. Donc c'est cool. Alors je vais mettre celui-ci parce que c'est celui qui me paraissait le plus loin. Par contre, question montage, c'est plutôt propre, hein, plutôt simple. Franchement,
comparé à des FDM cartésiennes qu'on a entièrement en kit de chez Kit, là, on est quand même déjà pas mal prémonté, hein. Il y a un petit tiroir. Ok. Je vais vous le montrer après. Je sais pas qu'il y a un petit tiroir. Ranger les trucs. En même temps, les imprimantes, je peux dire, je veux pas me spoiler, mais regarde pas forcément tout en détail avant de la monter moi-même et de voir si c'est réellement compliqué ou pas, quoi. Si on a suffisamment d'informations avec ce qu'ils nous donnent ou s'il faut aller chercher d'autres cas à gauche, à droite. Ce qu'on a déjà été obligé de faire avec certaines. Bon. On a déjà été obligé de faire avec certaines. Voilà. On a fait un pied. Alors après, on avait mis. Attendez, je vais regarder. Moins cher si Tom Top là sur AliExpress, c'est la plus de 500 de mémoire, 467 avec Black Friday, Tom Top près de 115. Ouais, mais c'est 415, c'est sans le code que je pourrais leur demander, puisqu'ils auraient pu me l'envoyer avant, mais c'est pas grave. Après, elles viennent toutes d'Allemagne, il me semble. Ouais, il y a des chansons. Oui, tu glisses, ça tient. Très simple montage, moi j'ai mis 40 minutes en prenant mon temps. Bah, franchement, ouais, je pense. Ouais. Attends, le but c'est pas de tracer comme un des lingots, hein. C'est pas parce qu'on va perdre. Enfin, on le perd pas, mais si on passe 10 ou 15 minutes de plus et qu'on est sur notre montage, c'est quand même mieux. On va repasser 3 heures derrière et essayer de la régler. Bon, après, ici c'est pas trop le cas, mais je pense surtout à des LDM où, si on règle pas tout bien au fur et à mesure, à la fin on peut passer pas mal de temps. Que ce soit d'ailleurs cartésienne, correcte Y. Hop. Je suis tout blanc là. Ok, mais c'est dit, ça y est. Il fait nuit. On allume. Si vous l'entendez, mais à côté en même temps j'ai une impression là sur la Ender 3 5 couleurs. Bon là pour le coup elle fait que 3 couleurs, mais 5 couleurs top plus parlant. Hop, et le dernier montant. Voilà. Bah, il y a pile le compte pour les vis, il n'y a pas de rame. Pour intérêt à perdre une vis dans le truc, là, sinon t'es foutu. Mais les vis sont vraiment très longues à visser. Après, je pense que s'ils les avaient fait trop courtes, les rentrer jusqu'au bout, ça aurait été encore plus compliqué que là pour viser vraiment au fond. Sinon, il faudrait qu'ils les fassent plus longues et que le profilé, en fait, la tête vienne juste en appui à l'extérieur. Bon, du coup, il y en a un certain nombre d'entre vous. Alors, déjà, à avoir déjà, pardon, l'imprimante en question. En même temps, je peux pas dire qu'elle a fait les buzz, mais on a pas mal à en avoir parlé ces derniers mois, on va dire. Elle a été testée par pas mal de monde. Bon, c'est aussi pour ça que je voulais la voir, parce que si tout le monde dit qu'elle est pas mal et qu'elle va quand même relativement vite, c'est que c'est intéressant. La gestion des courroies et tout, je trouve ça vraiment très classe, vraiment très propre. Alors, du coup, ça c'est bon. Donc maintenant, il faut qu'on mette le support pour l'écran côté FLSON qui est ici. Qui arrache les cheveux là. Côté FLSON,
Et ils le mettent de quel côté? Bah, du côté avant et sur la gauche. Ouais, normal. Ok. Alors, comment ça se rentre? Ok. Alors, je sais pas trop à quelle hauteur, il donne pas de hauteur. C'est vachement branlant là-dedans. C'est branlant, je trouve. Je sais pas. En même temps, on peut régler après coup. On verra. Allez, on la met là. Hop. On va les compter. Moi, en impression, le maxi de vitesse qu'elle a fait, c'est 180 000 par seconde. Et du coup, surtout la question, parce que, qu'elle aille vite, ok, mais que la qualité reste correcte. Ah bah si, pardon, il reste deux vis. Bon, j'en oublie ou... On va vérifier. En roue, ça m'a l'air d'être bon. Alors, je vais la tourner. Franchement, quand on la prend en main, par là, ça n'a rien à voir avec celle-ci où le truc est tout mou parce que c'est pas ça qui fait la rigidité, quoi. Là, quand on prend, c'est tout dans un bloc, c'est... Mastoc. Je disais quoi? Je sais plus. Système de tension de courroie, peut-être? Je sais plus. Alors, déplacer. Ah, déplacer l'écran à un tiers de la distance. Voilà, on y est presque. Tourner l'imprimante à 180. Alors, avant, ils disent de tourner. Ah non, en fait, c'est l'aimant, ok, parce que je voulais juste un gros truc noir. Ok, bon, du coup, ça c'est bon. Donc, on va la retourner. Ça pèse son pesant de cacahuète. Hein. Ok. Par contre, elle est ultra ultra stable. Ça, c'est pas mal. Alors maintenant, on va mettre les montants. Donc ceci là pour le trend, le truc genre. Alors, je sais pas si c'est du carbone, c'est juste du simili carbone. Mais... Ok, donc en fait on les écarte et ça maintient direct en place. C'est pas mal. C'est pas mal fait. Alors par contre, ça, est-ce que je pourrais vous le montrer? Je peux au moins vous le montrer sur 1. Donc ça, vous verrez de quoi je parle après. Voilà. Alors, je vais remonter un peu. Voilà. Vous devriez plutôt bien voir normalement. Donc là, du coup, on a la tâche pour mettre le système bah, d'attache hein, pour le hot end qui est déjà fixé par ressort. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, ça va éviter les vibrations et ça va tout mettre en tension comme là. Donc du coup, je vais faire la même chose pour les trois. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais juste installer les trois tiges. J'ai pas l'impression qu'il y ait deux détrompeurs entre les deux, c'est vraiment symétrique. Ça a l'air en tout cas. Comme la rotule et tout, c'est plus de trucs petit dérapant et tout. Donc, vraiment réfléchir tout jusqu'au bout. Le hot end. Alors le hot end, on va l'orienter comment? On va l'orienter. Comme ceci, donc avec le FLSON devant, ce serait mieux. Donc là. Hop. Bon, par contre, ça risque d'être lourd. Je peux pas le monter si je peux le monter. Okay. Je vais le monter à la main. Alors, Crazysep qui nous dit, je crois que c'est du carbone. Ok. Sur le bateau Menchi, nickel, la qualité d'impression. Ah ouais, à 180. Alors, voyons. J'hésite, mais on va peut-être sortir un Banshee en 150 ou un truc comme ça. Si on termine avant 21 h, on lance un Banshee. En genre 150 mm par seconde. Moi, si tu me dis 180, ça se tombe dans 180. Hein. Après, j'ai vu que sur Cura, j'ai regardé vite fait, ils avaient l'air de dire que
Alors, attends, je vais peut-être remettre la vue globale, parce qu'en fait, c'est vraiment difficile de gérer pour vous. En 180, ça se tente. Mais j'ai vu que sur Cura, ils limitaient, entre guillemets, à 150. On peut mettre plus, mais ils avaient l'air de dire 150, pas forcément aller au-delà pour la config de base, mais en même temps, personne ne dit jusqu'à 200. Hein. Donc bon. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer tous les câbles qui se trouvent ici. Donc, vous les voyez ici. Et on va les relier aux câbles qui se trouvent en haut, qu'on va détacher, qui sont attachés avec un fil de fer. Alors, qui sont attachés avec deux fils de fer. Et en bas, qui est attaché aussi avec un fil de fer. Et même un petit collier, mais je pense que le collier va rester parce qu'il doit maintenir le tube PTFE en place par rapport au câble. Donc, on va tout relier. Donc, on a. Bah, c'est cool, on a toutes les couleurs. Alors, il y a deux noirs par contre. Donc, attends, je vais faire ce que je vois déjà. Je vais mettre le blanc avec le blanc, le jaune avec le jaune, le rouge avec le rouge. Ah, mais le noir, c'est parce que ça doit être les deux ventilos de refroidissement. En fait, on peut les mettre, je pense, indépendamment l'un de l'autre, parce que de toute façon, ils vont être combinés de la même manière. Ok, donc c'est pas mal. Alors, bon, ça fait un petit paquet quand même de fils, ils sont pas très tendus. Donc, je sais pas s'il y a moyen de les remonter. Non, pas moyen de les remonter, ça va. Ça débranche les fils. Ok. Ok, bon, c'est pas trop gênant. On a le tube PTFE qui va aller à l'extrudeur. On a le moteur et détecteur de fin de filament qui se trouve ici, en haut. Il y en a marre des cubes. installer le connecteur câble. Ah oui, du bas, du coup, de la base pour relier le haut. Est-ce qu'il le passe d'une manière particulière? Ouais, il le passe vraiment, a priori, quand même. Voilà. Dans le montant, les oreilles et les vôtres aussi. Donc ça c'est plutôt propre, plutôt très propre pour le coup. Ça fait plaisir. Je sais pas s'ils ont bien écouté la commu, regardez ce que tout le monde disait ou quoi, mais très clairement par rapport à l'autre, ça change quand même hein, la QQS Pro. En définition, ça n'a rien à voir. On va vraiment penser le truc. Ça fait plaisir. Alors BM4 en 8 mm de long. Et on va pouvoir attacher l'extrudeur qui se trouve là, on est d'accord, ouais, sur cette partie-là. Hop, je vais tourner pour que vous puissiez voir. Et du coup, on va installer l'extrudeur. Donc le moteur est à l'intérieur, c'est ça? Non, le moteur est à l'extérieur. On a même une petite attache pour mettre le truc, tout. Pas mal, pas mal. On a le petit tube PTFE. Enfin, faut que je vous le montre, ça c'est trop bien. C'est trop propre. Je vous montre ça. Voilà. Attends, je vais vous l'enlever. C'est vraiment pas mal. Salut Cyril. Hop. Donc, vous voyez les petites fentes et tout pour le moteur. Donc en fait, on a sur l'attache directement un truc pour le mettre dedans. Hop. Le tube PTFE qui s'insère directement dans le détecteur de fin de filament. Et du coup, on n'a plus qu'à visser ici. Mais franchement, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Rien à redire. Alors du coup, je vais devoir passer un peu devant. Pour voir ce que je fais. Ben, y a pas trop besoin de réfléchir, surtout c'est ça qui est pas mal. C'est quand il faut se dire, bon, la courroie elle est bien réglée, les écrous excentriques sont bien réglés. Là, que nenni. En tout cas pour le moment, que nenni. Rien du tout. Alors le tube PTFE dans le détecteur de fin de filament, ouais. L'installation de l'extrudeur est terminée, sauf que on va mettre le tube PTFE à l'intérieur.
avec le coupleur alu. Donc ça, je vais vous le montrer. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un coupleur qui a, enfin, alu tout acier en tout cas. Et on a donc le QPTFE qui rentre bien dedans avec la petite étiquette qui vient juste en appui sur le truc. Hop, donc là, l'extrudeur est maintenant installé. Ok, purée, pour avoir un élément aussi parfait, c'est du bon boulot. Franchement, ils sont bien pris la tête, je pense. Enfin, pris la tête, en même temps, c'est juste qu'ils ont bien bossé le truc en amont pour la fabrication. Alors, on va mettre le détecteur de fin de filament. Et le moteur de l'extrudeur qui se trouve juste ici. Hop, je vais passer le fil dans l'autre sens. Voilà. Ah, juste le fil du détecteur de fin de filament qui a un poil long, je vais le réinsérer là-dedans. Hop. Comme ça. Cable management. Peut pas faire mieux. Clairement, là. Non, on est pas mal. Ah, vous voyez rien, vous êtes dans le reflet là-bas. Donc là, il y a le détecteur de fin de filament que j'ai raccordé. J'ai fait monter le fil. Ah, bah, vous voyez rien. Je fais monter le fil direct dedans. Et du coup, l'extrudeur qui est relié ici. C'est plutôt pas mal. Alors, du coup, je vais revenir comme ça. Combien coûte cette EFL Suede? Bah là, il y a eu toute une discussion avant sur le chat. T'as pas les messages d'avant? Combien coûte ben, ça dépend d'où, par qui, quand et comment. Ben, ça dépend en fait des opérations en plus. Pour le prix le moins cher, c'est quand j'aurais demandé le code promo à Tom Top qui l'a fait normalement à 385 de mémoire. Donc si c'est le cas, c'est plutôt pas mal. Et livré, je crois, depuis l'Allemagne. Hein. C'est l'Allemagne. Après, sinon, il y a de la dispo un peu partout. A priori, le prix était assez variable sur AliExpress. Alors, attendez, dans quel sens? Dans ce sens-là? Il n'y a pas la même chose sur celui-là? Ok, dans ce sens-là. Je vais visser par l'intérieur. Ok. Donc, du coup, je vais juste monter le support de bobine. Là. Je sais pas pourquoi il s'obstine à mettre la vis à l'intérieur. C'est pas hyper pratique pour visser. Ah! On a quelque chose à reprocher à l'imprimante pour le montage du support de bobine. Du coup, Cyril, tu vois les messages d'avant? Je sais pas si tu les vois. Si tu t'es connecté après. Alors, ils disent le front. Donc, avec l'étiquette, il faut que j'oriente le truc. Non, attends, je vais rien voir du tout. Hein. Essayer de monter un peu. Ok. On est toujours. Ah oui. Donc on fixe le support de bobine. Après, on voit qu'il y a l'entrée. Alors non, vous voyez pas, mais bon, vous voyez vaguement parce que c'est tout blanc. Du coup, sur le côté, en fait, dans la partie haute, il y a une petite entrée manifestement pour le filament qui va descendre dans le tube PTFE qui descend donc directement dans le détecteur de fin de filament qui lui-même va descendre dans l'extrudeur. C'est plutôt pas mal. Alors en fait, on a deux vis de chaque longueur en rab, manifestement. Alors on peut retirer le film plastique. Vérifier l'alimentation.
Retirer, je sais pas quoi, du nozzle, s'il y a des défauts. Utiliser, attends, utiliser pour nettoyer le filament. Ok, non, pas besoin. Connecter le système de bed leveling qu'on va venir coller donc sur le hot end. Après, on fait tout auto-lève, auto-leveling. Ok, bon, on va suivre tout ça. Alors, du coup, détecteur. Là. Pas mal. Hop, je vais la tourner, on va regarder ensemble. Hop là. Je vais la brancher. The magic smoke. Nope. Salut mon autiste. Ah, attends, on a ces messages avant. Cyril qui dit merci. Non, car je viens de me connecter il y a 10 minutes. Ah, ok, donc du coup, tu voyais pas. Oula. Désolé pour les oreilles. Camino, c'est vraiment ton prénom. Bah oui, bien sûr. Je sais pas si c'est le prénom de quelqu'un. Non, je ne crois pas que ce soit le prénom de quelqu'un. Ami du soir, bonsoir, modéliste 60. Alors, on a un bête qui est assez travaillé, donc du coup ça va être coûteux à remplacer, je pense, mais on pourra coller un revêtement par-dessus si vraiment un jour on l'abîme. Hein, parce qu'on va pas essayer de l'abîmer aujourd'hui, ce serait sympa. Merci, merci. Alors, donc du coup, on va mettre l'écran. Bah, je vais peut-être mettre l'écran pour lancer, puis après je vous mettrai, je descendrai pour vous montrer. Est-ce que je peux le descendre vraiment en bas? Ouais, je peux quasiment le descendre en bas. Merde, j'ai lancé un truc. Voilà. Mettre comme ça. Ça, vous devriez pouvoir voir les deux, je pense. Voilà. Bon, vous en verrez enfin, surtout un en net et pas tellement l'autre. C'est les trucs derrière. Je voulais vous mettre la vue de proche. Ok. Ah, effectivement, donc vous voyez pas sur le côté. Hop, voilà. Sinon, je vous fais focus sur l'écran, peut-être plutôt, comme ça vous verrez mieux. Ok. Alors, du coup, ils nous disent. Allez dans le menu Tools. Allez dans le menu Retour. Parce que je vais voir si je peux pas changer le son en fait. Je peux couper le son. C'est où le son? Info? Je peux pas couper le son. Je peux monter? Non. Language? Non. Et ok. Non, on peut pas changer le son là. Il est chaud ça. Ouais, c'est relou. Il va falloir. T'as oublié d'enlever le film protecteur de l'aimant de l'écran. Ouais, bon, ça colle quand même. Hein. Pas de soucis. Alors, donc, du coup, dans Tools, on a auto-level. Auto-level. Please plug the leveling switch before auto-leveling. Yes, I did. Hop, il est parti. L'interface est jolie. Hein. Les menus sont assez propres. Ouais, c'était pas sur la QQS Pro. Non, c'était sur laquelle? C'était sur la QQS Pro où on avait les menus qui étaient genre en. Non, ça devait être sur la Tronxy où on avait les menus genre avec une transparence derrière. Je sais plus. Je crois que c'était sur la Tronxy où on avait une transparence derrière. Alors, ils disent que ça prend environ 2 minutes. Ensuite, on va retirer le système de mise à niveau. On va faire Move 0. Là, on va regarder sur le bed où on est. On regardera froid, au pire, c'est pas trop.
trop trop gênant, ça va pas bouger énormément, je pense. Z0, donc placer la feuille, faire adjust 0, monter, descendre, enregistrer, et après on est bon. On est parti pour imprimer des trucs. Je vais regarder le reste de la doc. Il y a quand même pas mal d'infos hein, pour la config. Ils disent même pour vérifier la première couche. Nettoyer le hot-end. Une petite doc pour Cura 4.4, doit un peu je pense. Ok, contenant la c'est relativement récent. On a tous les différents paramètres pour le profil Cura. On a test de cube, les impressions, détail des pages pour paramétrer l'imprimante. Elle est assez complet. Hein. Elle est assez complet. Et effectivement, ça fait quand même moins de bruit. Ça fait nettement moins de bruit. Là, j'entends le ventilo, sauf quand il fait vraiment des mouvements brusques. Il bouge doucement, ça s'entend pas. Par contre, il fait là, vous voyez, quand il appuie, hop, il remonte d'un coup. Là, il fait un petit. J'ai pas trouvé pour enlever le bip. J'ai l'impression qu'on peut pas. J'ai pas vu de menu. Franchement, j'ai pas vu le menu, c'est chaud quoi. Un petit truc, il est imprimé en 3D là, non? Ouais, il est imprimé en 3D. Le truc ici, là, je sais pas comment on appelle, le petit truc pour. Ah, même le coupleur ici, full métal sur le button. C'est propre, c'est propre. Alors pendant ce temps-là, du coup, on va peut-être se préparer, je pense, un Benchis. Ça vous voit, comme ça, on fera un petit peu plus que la dernière fois. Je vais mettre deux murs. Je vais mettre 15, 20. On va mettre 15%. Il met 15% d'infill à 220 degrés, 120, 150 mm par seconde de vitesse. Qu'est-ce qu'on fait? On le met direct à 200 ou on fait à 150? 200. Alors à 150, il dit 42 minutes. Et à 200. À 200, il dit combien? Il a fini? Je crois qu'il a fini. Non, il n'est pas fini. Là, il a peut-être fini. Ouais, il est peut-être fini là. Ah, à 200, on gagne. On est à 40 minutes. C'est 42, je crois, j'ai dit. Ouais, bon, pour 2 minutes, on est à 150, je crois. 42, 40 minutes, c'est chaud. L'étude, il dure 1 heure et demie. Alors après, à voir si le truc est correct pour l'estimation, mais là, c'est chaud quoi, c'est chaud. Alors, attendez, je vais mettre remplissage en cubic. Et pour le reste, je pense qu'on est pas mal. On est en layer de 0,2 pour info. Et du coup, je vais mettre ça sur une carte. J'ai pas eu de carte encore, si. On a un petit tiroir en dessous, c'est cool. Je vais ranger les trucs. On est direct dans la base. C'est pas mal. Par contre, j'ai pas de carte. Voilà, peut-être. Peut-être dans celui-là. On a un truc de lub. Un lubrifiant. Ah si, petite carte micro SD, ok, avec son lecteur associé. Carte no name, il n'y a rien d'écrit dessus, même pas la taille, rien du tout. On a dû faire une petite commande spéciale no name pas cher. Alors il y a un certain nombre de modèles dessus, il y en a un de test, mais on va mettre directement du coup le nôtre. On va vérifier qu'il est bien parti dessus. Ouais, ok. Et on insère ça
sur le côté gauche. Donc on a un port micro, micro SD, USB, USB le normal, USB A et USB. C'est pas D le gros le carré. Attends. Non, c'est un autre nom. Je suis sûr qu'il y en a un qui m'a déjà mis la réponse. USB B. Ok. Donc il y a un type A et un type B. Oublie pas de faire ton Z0. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors il faut que je retire du coup mon système de mise à niveau du bed. Je vais faire comme sur l'autre. Je vais le coller sur l'imprimante. Et je vais faire donc mon Z0. Je vais sortir un papier avant de lancer. Voilà. Alors, supprimer le truc, oui. Et après, il disait d'enregistrer, c'est ça. Hein. Alors, adjust. Alors, attends, est-ce que je suis loin là? Ouais, je suis assez loin. Là. Alors, comme on a un truc genre carbo random, là, on va pas aller, on va pas aller trop loin. On va tester comme ça, vous mettre plus loin que trop près. On connaît qu'on va aimer des bêtes comme ça. Alors, ok. Mais écoutez, on a fini notre mise à niveau du bed. Du coup, on pourra aller chercher notre fichier. Il a bien enregistré là, hein. On est d'accord, parce qu'il est remonté. Ok. Préchauffage, ok. Ouais, surtout qu'on n'a pas préchauffé en plus, donc c'est peut-être mieux de faire comme ça. Auto, print. Ah, il met même les dossiers, c'est pas mal. Notre Benchy, print. Là, ça envoie direct, ok. Ah, j'ai pas mis de... j'ai pas mis de PLA. Y a rien dedans. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce que j'ai? J'ai du noir, dégueulasse. J'ai du blanc. Ah, j'ai... une bonne bobine là, enfin, une grosse bobine. Bonne, c'est déjà moins sûr. Mais... vite, 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 on n'a plus le temps. Sors, 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 t'as plus le temps pour la clé. Alors, évidemment, c'est dans le extrudeur que ça va bloquer parce que j'ai un petit bout en plus. Hop, voilà. Et en plus, il est très cassant. Mais... clairement recyclé. Allez, descends. Ouais, j'ai du mal à descendre. Non, tu pétais à feu. Voilà. Il y va, il y va, il y va. Ah, vous voyez pas, mais il y a du filament blanc qui sort, donc l'imprimante a testé. Oh, ça a l'air de chauffer bien, hein. Elle a bien chauffé. Hein. Ah oui, parce que c'est Volcano en même temps, mais... ah, il y a la blinde de filament blanc là-dedans. Voilà. Hop. En même temps, la buse, c'est 220, là, hein, pour compenser par rapport à la vitesse. Il y a un poil chaud hein, pour le film. Donc qui risque de faire du stringing, va peut-être réduire après coup. Traumatisé du bed, mais clairement. Les bobines qu'ils t'ont passé. Ah oui, j'aurais pu, remarque. Trop de précipitation, c'est vrai. J'ai fait non, ma bobine. J'ai oublié de mettre.
Le petit bout de filament qui sort. Mais ouais, je pense que 220, c'est un poil élevé. On va voir si on pourra, si je pourrais baisser. Moi, de toute façon, après coup, d'autres impressions de test. Mais écoutez, on est plutôt pas mal. Le bed, ils le font chauffer à 60 et la buse à 220, du coup. 220, c'est quand même pas mal. Même pour aller vite, c'est quand même pas mal. C'est l'avion, quoi. On dirait un avion, le truc. Il fait vraiment ce bruit-là, quoi. C'est ouf. Bref, on a un poil près du bed quand même. J'aurais pu le mettre encore un peu plus haut, je pense. Je pense que là, le bed, il va pas se décrocher tout seul. Hein. Mais l'extrudeur, en fait, vu qu'il repousse en fait le filament directement dans le détecteur de fin de filament, il fait, vous savez, genre les bruits de porte dans les vaisseaux spatiaux futuristes. Petit bruit de bonjour les portes de bus ou tout. Alors attends, je vais vous rapprocher du coup peut-être de l'impression si je peux. Alors attendez, on va descendre. Hop, d'un coup. Donc là, vous êtes en face. Je vais ramener la lumière. Et après. Voilà. Bon, ça devrait déjà pas être trop mal. Et je peux augmenter même un peu la luminosité comme ça. Là, vous verrez bien tous les détails, tous les défauts. S'il y en a. Je vais remonter un peu parce que de toute façon, ça va monter après coup. Je vais le mettre un peu sur le côté pour vous. Voilà. On va pas trop mal, je pense. On est déjà sur la couche 2. Effectivement, ça turbine un peu. Non, mais sur quoi? On est sur l'amplitude de la couche 1? Non, t'es sur la couche 2, j'ai l'impression que c'était un 0,4. Alors, potentiellement, il est peut-être un peu surextrudé, mais je ne sais pas. Ouais, déjà 1%. Ça va, Stéphane? Ben, ça va, ça va. Tout se passe bien. Tout se passe même très bien et ça, c'est cool. Plaisir. Et je voulais regarder du coup sur Cura. Non, les lignes, c'est du 0,4 de base. Il n'y a pas de fioritures. Ou quoi? Alors là, on est sur la couche 3 et on est bientôt passé à la 4, je pense. Là, on est déjà à la 4. Et il affiche directement sur l'écran la vitesse à laquelle il est, où il va, je sais pas, mais... Vous voyez. Du coup, on a la couche. Ça, c'est plutôt pas mal de la retrouver. On a la température, donc le pourcentage d'avancement. On a la vitesse actuelle et la hauteur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Peut ajuster le Z aussi. Alors, dans l'opération, je sais pas ce qu'on a. Température, ouais, vitesse. On peut même augmenter encore la vitesse, c'est ça. Hein. Okay. Le ventilo. Et voilà. Donc du coup, je vais remettre l'impression pour vous. Alors, attendez, j'ai pas le retour. J'affiche l'impression. Je vois pas ce que je vous mets. Voilà. Ok. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Bon, ça turbine, hein. Ça turbine et c'est pas si bruyant que ça. Hein. Forcément, on entend les moteurs parce qu'ils s'excitent quand même pas mal. Mais c'est surtout. C'est quasiment que les ventilateurs radio qui sont de chaque côté qui font du bruit. Ça a l'air propre, effectivement, la Vissaloum. Alors, c'est du PLA bronze, non, c'est du PLA recyclé. Mais l'extrudeur, il tourne comme un déglingo, le moteur. Je pense que
Je chauffe même pas. Il chauffe pas l'extrudeur. On va attendre un peu, mais là il est vraiment froid. Il est froid quoi. Alors que je l'entends, il doit turbiner comme intérêt. T'as vu la vitesse à laquelle il descend, enfin il remonte et il redescend. Bah il est lent. Alors ouais, il a peut-être un peu de mal à refroidir, c'est ça à l'avant j'ai l'impression, parce qu'il passe vraiment très vite. Ouais. Ouais, on voit l'avant, il est vraiment tout mou. Je pense que l'avant va être mal refroidi, mal formé. Mais après, peut-être qu'en baissant la température, ça fonctionnerait mieux. Hein. Parce que là, le PLA est relativement chaud aussi. Hein. En plus, recyclé, ouais, c'est du PLA recyclé. Hein. Donc il y a pas mal de petites, forcément de petits défauts et tout. Que finalement est pas parfait. Mais si on rajoutait des petites paillettes. Et je pense que c'est l'avant du Benchy qui va souffrir. Le reste s'imprime vraiment bien. Mais c'est l'avant, il refroidit pas assez, parce qu'il passe, il fait que passer, quoi. Il survole le truc. Foufou. Refroidit pas du tout. Ou à la limite, en fait, un autre ventilo extérieur qui souffle en permanence sur l'impression quasiment. Pour limiter ça, peut-être. Ouais, c'est pas mal, hein. On est à combien là? On est déjà à 5 mm de hauteur et on a passé 10 minutes. On est à 13%. C'est 10 minutes. Ah là, là, si vraiment on veut si vite que ça, c'est fou. Après, ça veut dire qu'on peut réduire un poil la vitesse, mais avoir des impressions qui soient quand même normalement de qualité. On attend de voir évidemment le reste, mais si c'est le cas, c'est trop bien quoi. Pour faire des projets imprimés en 3D, et même juste ouais, des versions de tests, des protos, rapidement, c'est plutôt pas mal. Et c'est ça le défaut de l'impression 3D, c'est que c'est souvent lent, quoi. C'est souvent lent. Là, on a passé la partie un peu compliquée, je crois, pour l'avant du bateau. Ça turbine, hein. Ça turbine. Ça gratte un peu, mais ça turbine. Forcément, les blowers sur les côtés, ils font du bruit, parce qu'en plus, c'est des petits, hein, ils font que 10 mm d'épaisseur, encore ce serait peut-être genre des 50, comment c'est, 55 là, pourquoi pas. Ce serait peut-être moins bruyant hein, et ça enverrait peut-être plus d'air encore. Pourquoi pas. Passer en 55 derrière. Que ça envoie pas mal quoi. En refroidissement. Donc là il fait le pont. C'est pas parfait, il y a des petits trous, mais pour une première couche sur l'infill, c'est plutôt pas mal. Hein. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est du PLA recyclé, donc il est cassant et bon, potentiellement, il fait plus de stringing que les autres. PLA, on va dire. Neuf, entre guillemets. De première main. Si on peut dire ça. Autant sur les autres imprimantes qui vont moins vite, où ça fait bon, un petit peu plus couscous. Plus cool.
Là, je mettrais moins les doigts quand même pour tester si c'est bien lisse. Tu as mis combien en vitesse? J'ai mis 150, je crois. Hein. Je vais regarder. J'ai mis 150. Donc j'ai pas mis, ouais, j'ai pas mis la vitesse la plus haute qui était donnée pour 200 pour l'imprimante, mais 150 pourra peut-être du coup être quand même déjà un bon compromis vitesse qualité. C'est fou vitesse la précision quoi. Mais je suis quand même assez étonné en fait. Je pense que l'extrudeur ne fait pas de bruit, mais je pense que c'est quand le filament frotte dans le détecteur de fin de filament qui fait le petit. C'est vraiment un petit truc qui frotte en fait. C'est pas. Ouais, c'est pas une vibration. Bah, au moins, faut déjà se dire que la vidéo de review devrait sortir relativement vite parce que les impressions de test vont turbiner. Peut-être moyen de vous la sortir pour dans une semaine ou deux. Peut viser ouais, quasiment la semaine prochaine, je pense. Enfin, pas la semaine qui vient, mais celle d'après, quoi. Quelles sont les dimensions max? Alors, max, c'est, je crois, 260 de diamètre. Et 300... je sais plus exactement. Je sais plus si c'est marqué dans le bouquin. On va regarder. Alors oui, ils nous mettent ouais, 260 de diamètre et 330 de hauteur. Donc c'est un tout petit peu plus de plateau, 5 mm de plus, mais par contre on a 3 cm de moins que sur la QQR Pro. Alors on voit les murs qui bavent un petit peu. Sincèrement, je ne sais pas si c'est un peu de surextrusion ou pas. Peut-être. Bah, le volume d'impression est quand même plutôt intéressant. Après, c'est. Bon, en fait, très sincèrement, sur les imprimantes, c'est rarement la hauteur qu'on va chercher. C'est plutôt la surface de plateau pour pouvoir avoir des pièces à plat. Donc là, c'est sûr que ça reste un plateau relativement petit. S'il refaire vraiment des grosses pièces, il faudra sûrement aller plus dans la hauteur que dans le, je veux dire, dans la largeur et la profondeur, quoi. Mais comme le plateau bouge pas, c'est pas forcément gênant. Tant que le ne va pas taper dans une partie déjà imprimée ou quoi, qu'on met bien un Z-op ou un truc comme ça, aller vraiment dans la hauteur, c'est pas. Moi, c'est pas gênant. Mais la surface du pont est quand même assez lisse, hein, je trouve. Donc, point de vue extrusion, cette partie-là me fait penser quand même que c'est pas trop mal. Donc, je sais pas. Elle m'a l'air mieux que la Ender 3. Moi, j'ai Ender 3 et Ender 5 plus. Ouais. Bah mieux que la Ender 3, c'est pas le même budget aussi. Hein. D'ailleurs, faut pas se mentir. Celle-ci, elle vaut quoi? Elle vaut 2 fois et demi, la Ender 3? Deux fois et demi? Ouais. Dépend quel prix on a, quel modèle on prend ou quoi, mais. Genre, si on prend la première du nom en promo ultra cheap. Là, c'est plus du 3 fois, 3 bonnes fois. Mais un prix courant, ouais, c'est deux fois plus, on va dire. Un peu plus de deux fois.
Après, ça dépend de ce qu'on cherche à faire, c'est toujours pareil. Là, clairement, c'est la vitesse. C'est pour ça qu'ils ont fait cette machine-là. Mais après, si tu cherches l'encombrement, elle est quand même nettement plus volumineuse qu'une Ender 3, en hauteur en tout cas. Sur la base, peut-être pas. Enfin, c'est même sûrement pas le cas, mais c'est sur la hauteur, quoi. Pour le moment, plutôt pas mal satisfait. Alors par contre, je vais vous montrer. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer facilement. Parce que je crois qu'il y a la lampe qui est sur le passage. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir le petit coupleur full metal. En fait, il monte et il descend. Ouais, je pense que vous le voyez. Donc là, ça mériterait de mettre une petite pince comme ce qu'il y a au niveau du... Au niveau du hot-end, celui qui est imprimé justement en 3D là, le blanc. Je pense que ça vaudrait le coup d'en mettre un. Ouais, je regarde dans le sac si on n'a pas, mais je crois pas en avoir vu. Je vais regarder dans le sac de pièces détachées. S'il n'y a pas une petite pièce comme ça. Ah si, il y en a. Il y en a, il y en a. Imprimé en 3D. Il est devant imprimé en 3D, il cherche. Il cherche l'économie, mais c'est pas mal. C'est marrant. Donc du coup, je vais le mettre, ce sera encore mieux normalement pour la précision, parce que là, effectivement, il remonte et il descend tout le temps. Oh, par contre, oh, c'est sacrément dur à rentrer dedans, vache. Voilà. Bon, bah là, du coup, on aura quelque chose d'encore mieux. Ils me disent de mettre un clip. Ah oui, ils le disent, j'ai pas fait gaffe. Mais du coup, ouais, j'ai retrouvé le sachet et là je l'ai mis. Donc là, ça va plus bouger. Donc ça, c'est cool. Après, il faut que l'impression soit quand même plutôt bien accrochée, je pense, sur le plateau, sur cette turbine. Hein. On a combien de temps là? On est à 21 minutes, la vache. Et on est à 41%. Après, sachant qu'on a la cheminée et tout qui prend pas mal de pourcentage, parce qu'il tourne en rond, donc une partie qui prend ouais, pas mal de pourcentage. Ouais, c'est sûr qu'il y a aussi la coque, mais ça pourrait dire qu'on est ouais, quasiment à la moitié, on va en bonne minute, quoi. Oui, assez dur de le mettre, il va plus bouger. Ah bah non, là, il va plus bouger. Le jour où je change avec tube pété à feu, il faut l'enlever et le casser, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'ils ont vendu plusieurs. Non, pas forcément le casser, mais vu qu'ils sont imprimés en 3D, en plus, ils sont plus fragiles. Mais c'est marrant qu'ils les aient fait en 3D. C'est bien. Pour faire des économies. Tu peux en imprimer plein, hein, et mettre ça sur un effet de SR, là. Comme c'est un SR. Hop. Un batch de je sais pas combien, 100 par plateau peut-être. Au moins ils sont pas dépendants d'un fournisseur. À devoir attendre, passer des commandes et tout, clairement, là c'est pas mal. Alors après, je pense que vous l'entendez quand même. Que bon, elle est pas hyper hyper silencieuse. Clairement, c'est vraiment très bien travaillé pour le moment, mais pas forcément, on va pas dormir à côté comme pour on va dire le rapport bruit-vitesse. Franchement, on s'en fiche un peu quoi.
Les impressions se terminent en quelques heures max. Il faut vraiment la lancer avant d'aller se coucher pour que. Ou partir faire autre chose pour que ce soit gênant, quoi. Alors, c'est peut-être leur modèle de test pour toutes les têtes. Ah oui, j'avoue, c'est peut-être ça qu'ils impriment en blanc, j'avoue. Ils impriment peut-être ça. En même temps, c'est pas bête, hein, ça évite de gâcher du plastique juste pour tester. Enfin, tester pour tester, hein. Au moins, ils impriment directement. De pièces utiles. Ce que je préférerais faire, c'est clairement avec les impressions de test, mais. Je fasse éventuellement un modèle, on m'a déjà parlé de faire un modèle à moi pour tester. Bam. Bah écoutez, je pensais pas que je relancerais un jour un Denshi en live après avoir monté l'imprimante sans avoir peur d'aller me coucher à pas d'heure. Ne sera jamais aussi bruyant qu'une Ender 3 V2. C'est possible. Là, on va dire que le bruit est justifié. Salut, c'est RTartiplette. Quelle est la vitesse? Là, c'est 150 mm par seconde. Salut, Fred. Alors, à part les petits soucis de refroidissement sur l'avant du Benchy, encore que ça n'a pas l'air si énorme que ça. Le reste a pas l'air mal, hein. La formation de la coque est plutôt propre sur le bateau. Hein. Même on le voit ici, c'est plutôt bien formé, il n'y a même pas de straining en fait. Donc la traction doit quand même être suffisante. Je vous dis, le PLA là, il est pas. On peut quand même avoir du stringing en fonction des bobines ou du moment de la bobine, savoir sur le petit bout sur lequel on a récupéré une vieille impression, c'est jamais quoi. Alors là, on en est à 25 minutes et on a fait 56%. Alors sachant qu'en passant de 150 mm par seconde à 200 mm par seconde, en fait, on ne gagnait que, entre guillemets, 2 minutes sur les 42 minutes. Mais plutôt satisfait pour le moment, clairement. Là, je partage tout à fait les retours des gens qui ont pu la tester. On voit la différence depuis que tu as mis la cale. Bah ouais, depuis que. Bah, après, l'infield est pareil au-dessus quasiment sur cette partie-là, il reste vachement haut. Hein. Mais c'est surtout l'angle vraiment sur le bas de la coque qui est le plus pentu. Donc c'est normal que ce soit là que le filament en fait remonte le plus à chaque fois qu'il passe quoi. Ça fait des mois que j'ai cette SR et zéro fail. Bah c'est cool. Salut papy! Alors après pareil, je pense que pour la mise à niveau du bed, pas besoin de la faire 50 fois. De toute façon, le but c'est d'attendre que le plateau pour le coup la refroidisse vraiment bien. Et de pouvoir retirer ensuite l'impression. Après, je pense que le plateau à 50, ça doit quand même passer, parce que 60, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, c'est un peu quand même légère surexplosion quand même. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de surexplosion.
Ça m'arrêterait de baisser un poil. Là, je pense qu'il faut refaire un firmware pour ça ou passer par l'interface USB. Je crois pas qu'il y ait sur l'interface tactile. Je vais regarder dans le bouquin, mais je ne crois pas avoir vu ça. Alors, le nombre de steps par millimètre. Non. Non, non, non. Il n'y a pas. C'est rapide, hein. C'est cool. Ça va faire plaisir pour tester nos impressions, petites impressions et petites pièces. Je pense que ça va être l'imprimante go-to, quoi. Ouais, pour faire tout ce qui est pièces mécaniques un peu rapidement. Même pour faire les impressions, genre figurines et tout. Enfin, ce que j'appelle figurines, c'est tout ce qui est type déco, voilà. En baissant un peu la vitesse, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Là, je pense qu'il va falloir calibrer quand même l'extrudeur. On a l'air un peu sur extrudé. JS qui a refait le firmware et autre chose. Ok. Salut Maxime. C'est pas lui, je crois. Quel paramètre pour la rétraction? Alors ça devait être 6,5 mm de mémoire et 40 mm par seconde. Donc 6,5 mm c'est pas forcément énorme parce que tout pète TFE, même s'ils ont évidemment descendu le moteur d'extrusion, reste quand même relativement long. Là il pourrait être un poil plus court. Je pense qu'on aurait moyen de gratter. Allez, bien 3-4 cm au moins. Peut-être 5 si vraiment au plus loin ça passe pour tester évidemment la diagonale, mais je pense qu'il y a moyen de tirer encore un peu. Tu vas pouvoir faire beaucoup de mini discovery. Ouais, bah là il va falloir faire des micro discovery hein, parce que là ça va être compliqué. Mini discovery. Il y en a qui regardent. Star Trek Discovery, justement. La nouvelle saison qui a commencé là. Il a commencé, bah. De toute façon, j'ai posté la vidéo le jour où la saison a commencé. Je voulais que ce soit quand même un peu en lien. Ouais, c'est sympa comme série. Il y en a plein qui ont l'air de critiquer la dernière saison. Enfin, là, la saison en cours qui a commencé justement jeudi, c'est ça? Jeudi, ouais. Donc il y a celle qui nous dit yes. Mais elle est. Moi j'aime bien. C'est divertissant. Il y en a qui sont sûrement ultra fans et qui râlent au moins d'un truc. Mais. Comme d'hab. Moi j'aime bien. C'est futuriste, c'est dans l'espace. Ça me fait plaisir. Alors, je ne savais pas que l'on avait aussi ce point en commun. C'est-à-dire, cette folie commune. Non, la folie, c'est plutôt côté impression 3D. Regarder des séries, on va dire que c'est juste un passe-temps. Ah, on a presque fini le bout de la coque, là. Si on l'a pas déjà fini, d'ailleurs. Mais là, c'est un petit bloc. Et là, on est à 32 minutes, 79%. 32 minutes, ça veut dire qu'il lui reste encore 10 minutes pour faire le reste. Il y a moyen, hein. Il y a moyen, il y a moyen. Pour voir si Cura est un peu dans les choux ou si c'est plutôt bien calculé. Surtout qu'on va arriver sur la partie toiture où il y aura moins de rétraction. Dès qu'on a fini
La fenêtre à l'avant, là. On n'aura plus de rétraction quasiment, normalement. Enfin, si, sauf entre la cheminée et le haut de la toit, du toit, ça va. Il n'y a pas beaucoup de couches, donc ça devrait aller vite. Mais franchement, ouais, même vu la vitesse élevée, on va dire, par rapport à ce qui est donné par le constructeur, la qualité a quand même de rester là, hein, c'est cool. Des fois, il y en a qui annoncent des vitesses genre totalement ouf. Alors oui, forcément, ça peut imprimer, hein, mais c'est dégueulasse, quoi. Comme d'hab. Mais là, franchement, ça se tient. Hein. C'est un peu normal depuis que tu as mis le clip. Ah ouais, tu crois que ça a changé? Bah, peut-être que. Bah, après, dans la cale du bateau, je suis pas sûr que ça aurait eu forcément beaucoup d'influence. Il y a pas tant que ça de rétraction. Beaucoup moins que là. Là, il en fait 4 par truc, par layer. Forcément, il y en a plus de diff. De toute façon, on verra sur le haut de la cabine. Mais zéro. Vraiment, zéro de chez zéro streaming. Hein. Non, j'en vois absolument pas. Bon, sinon, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo? En fait, j'ai commencé à la préparer et tout. Et je me suis rendu compte que, au moins pour la première version, il n'y aura pas beaucoup d'impressions 3D. Bon, du coup, ce sera pour les versions suivantes. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous allez vite le voir sur la chaîne. Je pense que je sortirai ça au courant décembre. Au moins le début. Alors, je sais pas si je sortirai la vidéo, mais moi, je commencerai à travailler dessus courant décembre. Ah, là, on est sur la partie où il y a déjà normalement des moments de rétraction. Encore que pour l'infield, il a l'air de faire quand même pas mal de rétraction. Mais le haut de la cabine est plutôt propre. Hein. Franchement, quand je regarde sur le retour de ce que vous voyez, ça n'a pas l'air mal du tout. Pour moi, sur le live, je le vois plus propre comparé au démarrage. Là, c'est possible. Hein. Ouais, je vois pas forcément très bien parce que moi je regarde en fait pareil que vous, mais en plus petit. Là, je regarde plus sur l'écran que IRL. Il lui manque un Magnet MK10 en Capricorne. C'est vrai que le Capricorne pourrait être intéressant sur cette machine, j'avoue. Hein. J'avoue que là, ça pourrait quand même faire une petite diff intéressante, petite upgrade. Il n'y a pas besoin d'un tube très très long en plus. Donc ouais, clairement, ça pourrait être une upgrade à faire. Un petit Capricorne. Je vois des lignes très marquées sur la coque à 5 et 10 mm, 10-12. C'est pas du streaming. Alors je sais pas exactement où tu vois là le petit point là. Non, c'est pas ça. Ou à l'avant, c'est ça là. Bah ça c'était le problème, je pense, de refroidissement, ça. Le tout petit truc, alors je peux m'aviser. Là, ouais. Là, je pense que c'est le refroidissement qui a un peu pêché sur l'avant du bateau. Alors tu me dis, non mais je suis d'accord, il y a Kralisek qui me dit, ah, non mais je suis d'accord, avec le clip ça change tout. Ah ouais? Bah c'est possible, hein, mais je vous dis, je vois pas grand chose. J'ai pas fait gaffe à quel moment je l'ai changé aussi. Je crois que c'était genre au-dessus du pont, je crois, non? Peut-être courant du petit truc là. Surtout l'accélération, elle est quand même. Elle débarre l'accélération. Oui, ok, donc ouais, ce serait pareil, je l'aurais changé, c'est possible, ouais. Non, dessous, ah, plus bas, ok. Salut THX4. Ah, c'est cool, ta turbine. À la dernière ligne que l'on voit. Sur le pont, c'est ça?
Voilà, l'infield, il le fait tellement vite. C'est précis, c'est cool. Alors tu me dis oui, ok. Sur la coque. Ouais, bah, je vois à peu près, ouais. Là où il y a le petit point, peut-être, je sais pas. Bon. Ça, on verra quand je le sortirai. Hein. Je pense que la carte mère elle doit quand même turbiner. Hein. C'est pour qu'il n'y ait pas d'attente comme ça. Ah, les commandes ont l'air de vraiment bien s'enchaîner. C'est ça qui me dit impressionnant. Hein. Satisfaisant en tout cas, hein. Ça c'est sûr. Et du coup, là, on a presque terminé et on est à 39 minutes. Donc, on avait le temps du préchauffage au début qui doit être dedans, donc il y a ça aussi qui joue un petit peu. Mais ouais, les 42 minutes, je pense qu'on va pas être très loin. Hein. Tout là, il est bientôt fini la toiture, après il a plus que la cheminée à faire et là, il a fait assez vite. Je pense. S'il n'y a plus de rétraction, bon. La couche, il a fait tellement vite. Ouais, je crois que c'est la dernière, là. Là, c'est nettement plus silencieux, parce que du coup, il n'y a pas de rétraction. Puis les mouvements sont vraiment très, très faibles. Papy qui nous dit c'est rapide. Ouais, franchement, ouais. Allez, la cheminée est quasiment terminée. On est à 40 minutes. Finira peut-être avant. Avant ce que nous dit Cura. Franchement, 40 minutes. Moi, j'ai jamais eu un même chat en fibler. Sinon, c'est que je l'ai coupé en deux. Non, en dessous de l'heure, je suis pas certain. J'ai peut-être fait des tests, mais ça m'a pas marqué. Donc, c'est que ça ne doit pas être concluant. On dit merci parce que là, on s'en rend vraiment compte en direct. Bah, franchement, ouais. Alors là, on voit qu'il va moins vite sur la cheminée. Donc, ça, c'est plus, je pense. Le processeur qui doit gérer les petits mouvements, et encore ça se fait assez vite quand même. Et puis surtout, je pense que la vitesse est assez réduite parce qu'il a deux murs extérieurs, en fait à l'intérieur et à l'extérieur. Donc en fait, on est qu'à 75 mm par seconde. Et l'accélération, on n'a pas le temps d'accélérer. Alors Bibi qui nous dit « Salut, c'est encore moi, je peux faire quoi comme impression pour savoir pour améliorer la mur 3 et 2 ?» Ah oui. Bah faire des déjà tu peux déjà faire le benchy et puis voir où ça t'emmène. Attends, il doit y avoir un beau refroidissement. Bah t'as deux blowers en 40 par 40 là, 40 par 40 et 10 mm d'épaisseur, ils sont vraiment petits. Je pense qu'il y aurait moyen de passer sur des blowers en 50-15. Donc là ça refroidisse encore mieux. Et puis en plus, le refroidissement, alors limite, il est peut-être trop haut, là, pour le coup. D'habitude, il est trop bas, mais là, il est peut-être trop haut. J'ai l'impression qu'il souffle un poil trop sur la chaussette en silicone du hot-end, enfin, du bloc de chauffe. Pas de soucis, Lili. Mais sinon, mettez message sur le Discord, hein. Il y a pas mal de monde à répondre s'il y a des erreurs ou quoi. Ah, on a fini, on est à 42 minutes, pile. Ok. Avec temps de chauffe compris. Ah, on a même le petit fil avant. Donc le seul stringing qu'on a, c'est celui qui remonte. qui remonte au-dessus. Donc c'est celui avec la température, le filament qui continue de sortir tout seul sous la pression. Ok. Bon alors, regardons un peu ce benchy. Là, je vais ouvrir un peu. Donc 42 minutes. Ouais, par contre, on va falloir refroidir parce que sinon, on va jamais le décoller. Hein.
Ouais, il est trop trop bien collé. Mais je pense que la première couche, elle est trop trop proche. Donc, du coup, ce que je peux faire... Ouais, je peux déjà tourner éventuellement un peu l'imprimante. Voilà. Si vous voulez voir un peu mieux. On peut déjà commencer à regarder comme ça. Au pire, il restera à coller, il restera à coller. Mais sincèrement, c'est plutôt. Alors, attends, je passe ma grosse tête là. Oui, en fait, devant, il y a quand même le refroidissement qui laissait un peu désirer sur la partie vraiment du bout du bout. Ah, Chrisek qui me dit exactement ce que je voulais dire. Trop haut le flux d'air. Ouais, je pense. Je pense qu'il est, il est trop haut. C'est un peu dommage. Il faudrait ouais, le rallonger encore un petit peu. Parce qu'ils sont déjà assez longs, les fanlets. Mais je pense qu'il y a moyen de les descendre un peu, éventuellement de mettre des 75. Stéphane qui nous dit un coup de bref, vôtre. Bref, vitre. Ah, j'en ai pas. Non, j'ai pas ça là. Allez hop. Alors du coup, je vais me rapprocher. Attendez, je vais le retourner. Du coup, l'imprimante, je vais ramener la lumière. Voilà. Ça, vous allez mieux voir normalement. Descendre un peu. Donc là, on voit la ligne. Bref, ouais. Au toucher, elle n'est pas si énorme que ça. Alors attends, je vais baisser un peu. Voilà. Donc effectivement, ça a un peu souffert au début, mais ça c'est vraiment le refroidissement sur la partie la plus penchée de l'avant du bateau. Hein. C'est ce qui permet de tester l'impression, on va dire pas forcément dans le vide, mais relativement proche. Donc là on voit le texte vraiment très écrasé. Hein. Et même il y a un petit léger effet de foot. Je pense que vous le voyez. Donc là clairement il y a moyen de gagner. Après, pour le reste, on a l'air d'avoir un poil de ghosting quand même ici, mais un peu différent, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait vraiment beaucoup plus de matière. Mais c'est peut-être aussi un peu la surextrusion, mais là, il y a un peu de ghosting. Uniquement sur cette partie-là. Les petits trous, c'est soit le filament, peut-être qui n'était pas très bon sur cette partie-là, soit le Z-Sim, sincèrement, je vois pas le Z-Sim. Je croyais qu'il était là, mais je me demande s'il n'était pas à l'avant sur le sur Cura. Franchement, je le vois pas. Je vois deux points là, mais après le reste, je le vois pas. Franchement, il est bien caché le Z-Sim. Alors, je sais qu'il était sur l'avant de la coque, enfin de l'avant du de la cheminée. Donc là, on le voit un petit peu, mais sur la coque, il est quasiment pas visible en fait. Après, on voit que la température est assez élevée parce que le truc est tout fondu, il n'est pas du tout marqué quoi. Enfin, sinon, tout est bien formé. Ici, pareil, je sais pas si vous voyez, on a un léger ghosting quand même. En même temps, pas forcément étonnant vu la vitesse. Et sur le dessus, bah, moi j'aurais quand même tendance à dire qu'il y a un peu de surextrusion. Je sais pas vous, mais. Après, c'est peut-être lié aussi à la température, mais je dirais quand même un peu de surextrusion. Il faudrait le tester à température plus basse. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Bon, il y a quelques petits trucs, mais bon, vu le temps qu'on a mis pour l'imprimer, sincèrement, c'est plutôt pas mal. Hein. Ben voilà. Écoutez, en moins de 2 heures, on a monté l'imprimante, imprimé un Benchy. Que demande le peuple? On a quoi? Une bonne heure et demie, on a le temps de faire les deux, quoi. Franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Je suis plutôt agréablement surpris et convaincu, même si forcément on avait des échos d'autres personnes ayant testé, mais là, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, ça va bien me servir, clairement. Je vais bien en profiter de la vitesse pour que ça turbine bien, là.
imprimer des trucs assez rapidement. Parce que même des pièces où on doit imprimer en plusieurs exemplaires ou quoi, le fait d'avoir de la vitesse, c'est quand même pas mal. J'ai l'impression 3D, on fait des impressions avec des pièces complexes, mais le défaut, c'est quand même la durée. Parce qu'on peut facilement faire une pièce par jour, peut-être deux. Bon, évidemment, il y a le temps de la modélisation, mais si on parle uniquement du temps vraiment d'impression, où on doit être éventuellement là, à revenir et tout pour surveiller et relancer la suivante, c'est plutôt pas mal. Franchement, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là. Bah, celle-là, je pense que je peux vous le dire, vous ne l'aurez pas au giveaway. Hein. À moins qu'il y en ait une deuxième, je ne crois pas du tout. Si j'en demande pas ou quoi, on n'en aura pas. Mais très clairement, celle-ci, je vais la garder et bien l'utiliser, je pense. Je suis plutôt, ouais, agréablement surpris. C'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, mince, ça doit être pour les ouais, ça. Bon, après, faut pas partir du principe qu'il y aura tout à gagner un jour ou quoi. Certainement un certain nombre, parce que, enfin, sinon, je te dis, je ferai un tour du studio. Hein. Ouais. De là où il y a tout qui est entassé. Donc, alors je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Je pense qu'il y a la Core XY de Saphir Pro au-dessus. Il y a la longueur. Et sincèrement, si je pouvais encore en remettre dessus, là, je le ferais. Alors, on va bientôt bouger normalement. Donc, il n'y a pas d'intérêt à faire ça maintenant. Mais très clairement, là, la place, elle manque terriblement. Et puis, j'ai pas forcément, en tout cas personnellement, besoin d'autant d'imprimantes pour faire mes pièces. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais spécialiser les imprimantes. C'est que j'en aurai en 0,4, j'en aurai en 0,6, j'en aurai en 0,8, j'en aurai en, je sais pas, peut-être 0,2, voire 0,1 si ça passe bien. Mais très clairement, essayer d'avoir plusieurs diamètres, peut-être même du ouais, 0,8 sur la tronc 6. Plus, je sais pas. À voir. À voir suivant le rotum, mais voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense que je vais m'orienter plutôt que d'essayer de voir toutes les imprimantes en 0,4, ça n'a pas de sens. Mais d'en avoir des spécialisées par diamètre de buse, ça pourrait déjà être plutôt pas mal pour éviter d'avoir à passer du temps à changer toutes les buses, quoi. Donc voilà. Eh ben, je pense que je vous ai perdu. Mais sincèrement, je suis plutôt content de l'imprimante et de ce qu'on pourra en faire sur des projets concrets. C'est plutôt cool. C'est sûr que la Ender 3, t'as quand même ses limites en termes de temps d'impression. C'est quand même long. C'est long. Et bien voilà. Je pense que ce sera tout du coup pour ce live. Prochaine interaction, ce sera. Je ferai peut-être un short pour peut-être pour lundi. Et je ferai par contre une vidéo pour lundi. Merci à toi, c'était un live très intéressant. Boost la QQS Pro maintenant. Ouais, bah, j'ai prévu de faire une vidéo de grade dessus. Alors, bon, clairement, on n'arrivera pas à ça. Parce que clairement, les montants, c'est ce qui joue énormément sur la rigidité de l'imprimante, le fait qu'elle puisse envoyer du lourd. Bon, très clairement, c'est ça qui joue beaucoup. Donc voilà. Il faut bien qu'ils nous disent non toujours. Et donc, du coup, prochaine interaction, et ce sera lundi, vidéo et sans doute un short pour rapport à un produit que j'ai reçu et que j'ai testé, qui est derrière. Où le rendu est vraiment stylé. Je vous en dis pas plus, je vous montrerai directement ce que ça donne. Ça a son petit effet quand même. Alors moi aussi, j'en suis content. C'est Philippe qui nous dit ça. Bah, franchement, on peut. Et ensuite, tu auras live mardi avec installation du coup de la courroie de synchro sur notre Ender 3 qui est en Dual Z avec deux moteurs. Et peut-être jeudi si je prévois quelque chose, peut-être un live jeudi, je suis pas certain. J'ai pas forcément de sujet, donc à voir. Et bien voilà, je pense que ce sera tout pour ce petit live qui exceptionnellement fut un samedi soir pour le coup. Donc je vois qu'il y a quand même pas mal de monde, donc c'est cool, ça fait plaisir.
Et puis bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, bonne fin de week-end. Et on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Salut, salut!